Salutations, personnes de tout sexe, et bienvenue avec cette attaque de tomates dans ma tronche. Tu vas te calmer, Axel. Suffit. Entre Axel, on devrait céder, on devrait s'aimer. Bienvenue sur la découverte de For the Elements. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. On va découvrir ça. Et ça va être beau. Mais c'est vrai que... excellent timing. Et merci beaucoup, Miniclem. J'ai trouvé un moins coffre rempli. Exactement. Et merci, Miniclem. Tu gères. Waouh, j'ai déjà un succès. Lancer le jeu, ça a un succès. Bah, ça pourrait, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais quel est donc cet endroit? Ouh là là, je suis à l'intérieur du feu. Comme c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci, bordel de... Oh, relâche-nous immédiatement! Oh, hey, me tape pas comme ça, espèce de vieux poulet, j'y suis pour rien, moi! Est-ce que tu crois vraiment que j'ai envie d'avoir un oiseau à l'intérieur de ma tête? Hey, les gars, calmez-vous, ça sert à rien. J'ai l'impression qu'on est tous bloqués dans le même corps. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelque chose? Ma tête est un petit peu fouillée. Oh, ne vous inquiétez pas, ma mémoire est toute embuée également. Je n'arrive pas à me rappeler des derniers endroits où j'étais lorsque j'étais réveillée. Mais de ce que je sais, de ce que je comprends, nous sommes à l'intérieur d'un cristal. À combien de temps avons-nous été coincés ici? Et combien de temps allons-nous parler car j'ai la flemme de traduire? Il faut découvrir ce qui s'est passé. Arrives-tu à marcher, Feu? Oui, Feu arrive à marcher. Ça va, c'est moins laid que ce que je pensais. Parce que j'avais vu des images et ça avait pas l'air très très beau. Pas besoin de me remercier deux fois, si. Mais bien sûr que je sais marcher! Tu crois quoi, que je suis complètement rouillé? Merveilleux! Et si tu arrives à marcher, eh bien marche, espèce de petit con! C'est exactement ça la traduction. Je ne veux rien savoir. Oh, j'ai sauvegardé avec un cristal qui a fait blablabla! Waouh. Ok, donc pas comme ça. Hein? En fait, j'en apprends un truc assez cool sur ce jeu, c'est que si je lis les instructions, je comprends vachement mieux ce qu'il faut faire. C'est un truc assez dingue. Mais attendez. Mais... oui, ce coffre-là, il est nouveau. Tu ne peux pas sauter aussi haut. Mais comment vas-tu faire? Nous partageons un seul corps, mais peut-être qu'on peut changer. Cède ta place à l'air. Quoi? Tu veux vraiment que je retourne là-bas? C'est hors de question, espèce de vieux pan. Écoute, Feu, arrête de casser les couilles, c'est le principe du gameplay du jeu. Bon, d'accord. Ah oui. Oula. L'animation, elle est particulière. Blibli. Je pense que ça s'écrit comme ça, moi ça me va. Putain, mais il est lent comme tout ce piaf. Ah, il peut faire un double saut. C'est trop facile. Ouais, les contrôles sont un peu réticents. Excusez-moi, mais je ne peux pas grimper ce truc avec des pics. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Non, laisse-moi faire, c'est à moi de le faire. Maintenant, faut bien que je serve à quelque chose. Eh bien, si vous savez le faire, madame, allez-y. Oula. Et voilà, trop facile. Et le jeu est un peu mollasson, quoi. Ça va trop vite pour toi? C'est ironique ou... ah non, il y a quelque chose qui nous tire dessus. Si seulement l'un de nous avait un bouclier. Hop.
Ah, ouf. J'avais peur que ce soit pas ironique et je voulais pas me moquer. Hé, hey, mais attends, il y a des trucs qui bloquent le passage. Et si seulement je pouvais faire du vent ? Oh, je suis désolé, mais je n'arrive pas à casser le deuxième cristal. Ne t'inquiète pas, moi je sais le faire. Bah vas-y, fais-le. Non, calmez-vous, vous deux. Cette fois-ci, c'est moi qui vais servir à quelque chose. Bloup. Ouais, c'est un peu le seul souci du jeu pour l'instant, c'est qu'il est vraiment mou, quoi. Il y a plein de... Il y a des idées qui sont cool. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? De l'eau? Qui a pu placer un tel piège? Ne t'inquiète pas, heureusement, il y en a un de nous qui... Bah, c'est de l'eau, quoi. Et hop. Merveilleux. Oh! Et coucou, Fretty! Alors, c'est quoi ton sujet? Tu as le droit de proposer un thème pour le caout. Ta-ta-ta-ta! Plus qu'un et je pourrais en faire un. Et bien le coucou! Surtout a priori. Bah, c'est vrai que, a priori, jouer à ce jeu un peu mollasson, ça fait bizarre. Un thème, et oui, parce que tu as choisi la récompense caout, donc maintenant tu dois imposer un thème pour la prochaine soirée. Parce que les thèmes sont imposés par les viewers, et ensuite moi je fais les questions. Ne vous inquiétez pas, je vais lui tabasser la tronche. Et tiens, bouffe. Est-ce que tout le monde va bien? Il semblerait que tout le monde aille bien, oui, mais qu'en est-il de cette créature? Bah les couilles, c'était un ennemi! Oh, regardez ce cristal, je suis sûr qu'on peut faire un truc avec, ça a l'air d'être un portail! Hop! Incroyable. Vous avez terminé le tutoriel. Et du coup, ça peut être un thème troll comme un thème sérieux. Tu proposes ce que tu veux. Alors, qu'en dis-tu, oh? À ton avis, c'est quoi ces pédestrales? J'imagine qu'on a des temples et il va falloir récupérer des cailloux pour aller combattre un gros boss. C'est un petit peu le principe de tous les trucs. Tu feras des questions sur la reproduction des poissons. Allez, chiche. Go faire la thématique reproduction des poissons. Je te laisse m'écrire ça, Miniclem. Merci beaucoup. Et ça alors? On se croirait dans une cage et dire qu'il va falloir trouver des trucs pour pouvoir partir. Regardez ces portes. Elles ont des sortes d'éléments dessus. J'imagine que ça a un rapport avec ce qu'il faut trouver. Et si on allait chercher un petit peu? Je propose qu'on arrête de parler et qu'on avance dans le jeu. Parfait. Non mais Clem, elle fait tout. Il faut savoir que sans Clem, il n'y aurait pas de best-of, il n'y aurait rien. Parce qu'elle prend des notes à chaque stream et c'est ce qui me permet de faire les best-of, les TikTok et compagnie. Et maintenant, elle a TikTok. Et tu sers à quoi, Yervuk? Bah pas à grand-chose en vrai. J'allais dire je sers à faire présence physique, mais ça fait plus fuir les gens qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'arrête pas de lui dire mais stream. Stream et puis ensuite tu deviens riche. T'es la mascotte, c'est ça. Mais vous allez vous calmer sur vos tomates, bande de vilains bonhommes. Je suis d'accord, Clem. À quand les streams? Ah bah déjà, quand elle passera, je vais la réquisitionner, je pense. Il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau dans cet environnement. Ça va être dur pour mes plumes. Il n'y a pas besoin d'eau. C'est vraiment les cons qui aiment bien l'eau. Arrêtez de vous prendre la tête. Au moins, il y a de la terre et moi, je suis bien content.
tu vas pas t'y mettre aussi? Si, Clem, tout le monde va s'y mettre. Si elle a son train, mais oui. Et oui, Clem, c'est la meilleure. Alors, là, je peux prendre lui. Bam! Et hop. Mais alors, je galérerais moi si c'est elle qui stream et je dois faire le secrétaire. Je suis sûr, elle aurait 15 000 fois mon nombre de viewers. J'arriverai pas à suivre. Il faudrait 4 Axel au moins. Je voudrais virer les vilains bonhommes aussi. Aïe. Il est mou du cul ton jeu. Il est atrocement mou. C'est un gros problème. J'imagine dans une petite tenue de secrétaire. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, vraiment, il y a un gros problème de rythme. Mais c'est dommage parce que en soi, je trouve pas forcément qu'il y ait des idées complètement nulles, mais... Alors la soubrette, ça fait pas très secrétaire, hein, ça fait autre chose. Ah, je peux tirer en l'air. Putain, comment ça attaque? Le jeu est plus réactif pour changer de perso que pour bouger. Je pense pas que ça va s'accélérer. Hein. Mais pourquoi t'attaquerais avec un autre perso que celui-ci? Lui, c'est vraiment celui qui attaque le plus loin. Oh non. Tu veux pas être une secrétaire soubrette? Une soubrettaire. Mais... Ça n'a aucun sens, ce truc. En fait, je peux attendre que le truc me pousse. Alors, pas exactement n'importe quel jeu. En fait, comme je l'explique à chaque fois, c'est-à-dire que sur papier, oui, n'importe quel jeu. Mais par contre, faut que je puisse me permettre d'y jouer. C'est-à-dire que si vous me demandez d'acheter un jeu qui coûte 70 balles et que j'ai pas, c'est non, quoi. Si vous me demandez de rejouer Elden Ring que je déteste, mais sachant que j'ai déjà le jeu, par contre, oui. Saga of Sin, ça me dit quelque chose, ouais. Oui, j'aime pas du tout Elden Ring. J'ai passé un très mauvais moment dessus. C'est un jeu que j'ai rage-quitté 3 fois. La première fois, quand je l'ai acheté, je l'ai rage-quitté au bout d'une demi-heure en espérant me le faire rembourser et ça n'a pas marché. Parce que je l'avais acheté sur Instant Gaming pour le payer moins cher. La deuxième fois, après avoir joué 30 heures, je me suis retrouvé sur un boss insupportable où il fallait que je combatte 2 monstres en même temps. Et après être mort 50 fois pendant 6 et d'avoir essayé pendant 7 heures d'affilée le boss, j'ai abandonné.
Et ensuite, il y a eu l'événement de Boston où fallait y jouer. Et au bout d'une heure, j'ai dit, vas-y, j'en ai ras le cul, je vais aller jouer Isaac. Et je me ferai des points sur les autres jeux. Et j'avais fini 3ème, je crois. Comme quoi. Enfin, 3ème jusqu'à ce qu'il y ait du Shifumi et que 15 000 personnes repassent devant parce que... Parce que voilà. Mais oui, à cause de la difficulté, en gros, je trouve que c'est très mal dosé. Et... Enfin, en fait, ce que je reproche au jeu, c'est pas tellement d'être mal dosé, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, tu vois. Mais ce que je reproche au jeu, c'est que... Merde, comment dire? Bah, en fait, il pourrait y avoir des options d'accessibilité, ça leur coûterait rien. Genre... Avoir une option où tu peux activer ou que tu peux activer ou non qui fait que tu perds pas tes âmes en mourant, je vois pas ce que ça leur coûterait. Troisième n'est pas premier. En même temps, je fais pas ça pour être premier. Mais oui, mais je veux juste que tu sautes. Enfin, j'ai du mal à me rappeler de qui est qui. Donc là. Ok, donc en haut, c'est lui. Fun. Arrêtez. Vous êtes méchants, ce jeu a l'air quand même giga fun. Pourquoi on rigole plus à mes blagues? Ah mais moi, je croyais que t'avais vraiment 104 points. Je pensais que t'allais le faire. Tu pourrais avoir 100k, ça va vite. Alors, tu prends un canapé Hector ou Grolic sur Wikipédia? Eh ben écoute, on va aller vérifier. Je vais montrer et on va faire un sondage. Voilà. Ça, tu auras vraiment ta réponse à ta question troll. Alors, capture de fenêtre. Alors, déjà, on va aller sur Ikea. Hop. Bam, 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 bam. Oui, vous sentez que je suis un peu passionné par le jeu qu'on est en train de faire ou pas ? Pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Bientôt le gros influenceur avec une sponsor Emma. Enfin, moi j'en ai un de truc Emma et je regrette un peu de l'avoir hein, parce que je trouve pas particulièrement extraordinaire. Et bonsoir Noah, comment vas-tu? Alors, tu nous as dit, en gros, toi tu peux pas répondre, faut que tu joues. Si, je réponds si je veux. Nous avons soit celui-ci, le Ectrop, en deux places. Ah, il y a plusieurs coloris. Attendez. Ah, celui-là, voilà. Donc, soit celui-là, parce que c'est celui-ci qu'elle voudra prendre, Halloween. Soit, nous avons le Grunlid. Grunlid. Donc celui-là, qui a un peu la même gueule, mais qui coûte 100 balles de plus. Avec de nouveau pas mal de coloris. Et donc pareil, elle aimerait prendre, je pense, la connaissant. Celui-là. Histoire de payer un peu plus cher. Une grande lead. Donc voilà. Choisissez. Et
Et par contre, on veut la preuve, Halloween, après que t'as pris celui-là. Il va falloir que tu rejoignes le Discord et que tu nous montres la preuve. Le vert est incroyable. Le vert est plutôt joli, en vrai. En plus, avec les plantes, ça irait bien. Alors, ouais, mais non. Mais entouré de plantes. Montre la forme des deux en blanc. Mais blanc, ça se salit super vite. C'est tout laid, blanc. Donc voilà, en blanc, il y a celui-là. Gnignia. Sachant qu'il existe également en bleu. Bon. Vert, j'avoue, je kiffe, mais c'est trop cher. Mais vas-y, tu demandes à ta famille de payer et tout. Tu fais un truc kiss-kiss-bang-bang, et puis voilà, quoi. Oui, j'ai dit kiss-kiss-bang-bang. Parce que mon esprit est ailleurs. Et voilà. Celui-ci. En vrai, je vois pas la différence entre les deux, si ce n'est le prix. Hey, critique pas mon portefeuille. Je critique pas ton portefeuille, je critique celui de tes amis. J'avoue, les trucs en cuir marron, j'aime bien aussi. Mais tous les canapés, ça coûte une blinde. Aujourd'hui, tout coûte une blinde, de toute manière. Les filles, c'est de la merde. Non, mais je sais pas si vous avez regardé, ne serait-ce que le prix des tables de jardin. Vous savez le truc qu'il y avait chez papy et mamie quand vous étiez jeune? Eh ben maintenant, à moins de 300-400 balles, courage pour trouver une table de jardin. Alors que c'est juste une vieille table à la con. Je suis pas retourné sur Ikea, c'est mieux que le jeu. Oh. Ouais, mais c'est une sponsor, je suis obligé. Oh, mais en vrai, il y a des trucs sympas sur ce jeu. C'est juste qu'il est mou et moche, quoi. J'ai envie de dire, beaucoup d'entre vous ont une partie du corps qui est molle et moche. Comme un canapé. Mou et moche comme un canapé. Effectivement. Attends, vendre ton corps, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses aussi, Elohim. Mais enfin. Partie molle et moche, notre cerveau. En vrai, moi, je trouve que les cerveaux, c'est mignon. Ah, et c'est Grunlid qui gagne. Adieu ton portefeuille. Un petit OnlyFan ou autre. C'est vrai qu'en soi, ce serait rentable, mais... Après, le problème, c'est que mine de rien, ça demande beaucoup d'investissement aussi. C'est un peu le problème. C'est que mine de rien, OnlyFan, faut poster régulièrement, il faut avoir plein de différents contenus... Faut passer ton temps à aller sur internet pour voir s'il n'y a pas eu des leaks gratos pour les enlever. Ah yes, une partie aquatique. En vrai, ça va. C'est pas trop hard. Le jeu est quand même généreux en points de sauvegarde, je trouve. On peut au moins lui reconnaître ça. Il me faut de l'argent aussi, j'en suis. Alors moi, je veux bien monter un business, mais comme je dis souvent, moi, je monte un business inversé. C'est-à-dire qu'on inscrit des gens au pif à mon OnlyFans, et s'ils veulent arrêter de recevoir les trucs, faut qu'ils payent.
Ce serait du génie, mais il y a trop de failles dans ton plan. Mais non, il est génial, mon plan. Arrête. Ah, attends. Aïe. Je pense que c'est avec lui qu'il faut que j'y aille. La faille, c'est le plan. Oh, vous exagérez. Après, c'est vrai que je suis souvent la faille de mes propres plans. Ah oui, j'ai utilisé lui. Premier degré, j'ai déjà réfléchi à ouvrir un OnlyFans. Bah, premier degré, j'y ai jamais réfléchi parce que je me trouve laid comme un pou. Ah, mais même lui, ça le repousse. Mais comment je fais? Il y a trop de concurrence en blague. Et oui. Osef, une tub, c'est une tub. Ouais, mais justement, c'est moche, une tub. Enfin, on va pas se mentir. Mais c'est comme, disons les termes, un vagin, c'est gigalet aussi. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que tu... C'est avec des photos tierces que tu gagnes ton argent, c'est pas avec ça, quoi. Non, non, les pieds, c'est un peu une légende, hein, parce que vous avez beaucoup trop de concurrence sur les pieds. Et c'est pas juste un pied, hein, c'est les fétichistes des pieds ont quand même des goûts en termes de pieds. Et ça demande de l'entretien, ça demande plein de trucs. Hein. Je vais y aller, je crois. Vous faites peur aux jeunes. Cinq orteils, c'est un bon début. Bah, tu sais pas. Il y a peut-être qu'ils sont en kiff sur, justement, les trois orteils. Oh mon Dieu, c'était quoi ce tremblement? Je ressens quelque chose dans l'air. Bordel merde, il faut se dépêcher, courez! Je suis le seul moins de 18. Oh, j'ai des pieds moignons. Oh, comme c'est moignon. Alors. Ah, j'aurais été sûr. Ça, j'ai pas été assez vite. Et c'est la mort. Mais non, arrête, on arrête de parler de pieux, de pieds. C'est quoi la moyenne d'âge des viewers? Bah Clem, si tu veux faire un sondage moins de 18, 18-25, 25 et plus, on aura une petite idée. Pas assez vite sur un jeu de temps. Oui, bah j'ai le droit d'être nul, ok? Ça suffit là, le jugement de la jugeote. Oui, le jugement de la jugeote. Mais comment je vais vite ici? Parce que il y en a aucun qui va vite là-dedans. Là, j'avoue, je vois pas trop. Mais si, je peux faire avec le petit chat. Je peux faire comme ça. On est vieux. Bah, vous avez l'âge du streamer que vous regardez, quoi. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, le truc là-haut. Mais je l'ai laissé.
Aïe. Eh, en vrai, il y a des parties un peu compliquées. Et bien joué, Freddy, tu es déjà pecno-héroïque. Tu vois pas les sondages? Bah vas-y, on se dit qu'il y a un 18. Enfin, qui attend, on saura. Mais visiblement, c'est 25 et plus. Hein. Plus proche de la fin que du début. C'est vrai que techniquement, moi, je suis plus proche de la fin que du début. Hein. Ça va pas, Clem? Tu me dis hein, s'il y a un truc qui va pas. Hein. Abuse pas. Bah moi je me suis fixé 50 ans. Hein. Donc techniquement. Hein. Oui. Je vois pas trop l'intérêt de faire plus. Ah mais je vois pas comment tu peux avoir le temps de casser ça. Ah, en vrai de vrai, c'est chaud. Merci beaucoup! Merci beaucoup pour le sub! Bienvenue! Enfin, bienvenue, tu es souvent là, mais merci beaucoup! Et oui, c'est un bruit de korogu. Parce que je trouvais ça classe. Alors, oui. Mince. Mais non, mais... Nyahaha ! Exactement ! Le fourbe. J'avoue que c'était un peu dégueulasse. Bah du coup, ouais, c'est 25 et plus qui a une très grosse majorité. Ensuite, nous avons Clem qui a moins de 25 et plus de 18. Et ensuite... Oui, tu as voté, mais c'est juste qu'il y a plus de... On est plus nombreux, quoi. Vous êtes que deux à avoir voté à un autre âge, quoi. Putain, mais du coup, je pourrais jamais être célèbre s'il y a pas plus de mineurs sur mon stream. Faut pas faire du détournement de mineurs pour être célèbre sur Twitch ? Ah, c'est que sur YouTube. Bon, ça va, alors. Putain. Faut crier que, quand tu joues comme l'Oclear. Ok, vas-y. Je vais faire une partie en mode genre... Mais putain ! Non, en vrai, hier soir, en fin de soirée, c'était un peu ça. On va pas se mentir. Mais arrêtez de me jeter des tomates ! C'est pas gentil ! Ah oui, parce que je suis mort énormément. C'est vrai que sur Twitch, faut se faire ban pour faire le buzz. Je vous ai déjà raconté la blague du juif qui... Aïe, aïe, aïe. Tu me diras peut-être que je vais me faire ban à cause de mon stream prévu pour le 11 septembre. Non, c'est juste qu'il y a un jeu, je me suis dit ça pourrait être sympa de le découvrir, je me suis dit autant le faire ce jour-là quoi.
Je vais y passer, je suis le seul moins de 18. Surprise. Techniquement, c'est du troll, mais techniquement, il n'y a rien d'illégal. Oh, enfin. Allez. Allez. Mais putain. Tu habites au Canada? Pour de vrai? Bah, j'espère que toi, tu vas bien, surtout Miniclem. Je m'inquiète. Le pays des écureuils. C'est connu pour les écureuils, le Canada? C'est pas juste le sirop d'érable? Ça va aller. Enfin, ça va aller, ça veut dire que ça va pas terrible. Quelle horreur, ce coffre. Arrête. Il est très bien, ce coffre. Mais putain, mais il est sorti de mon fion, ce méchant, là. Garvug fait une JDG. Mais comment je fais? Mais on m'a jamais appris à les casser, les cristals verts! Bah, par exemple, la blague du petit Grégory, je sais pas si elle passe. Avec le carapuce. Bah ouais, mais je sais pas. Peut-être. Effectivement. C'est vrai que les deux sont verts. Mais bon. Te faire apprendre le truc à la fin, tu t'en sors pas. Ça va, on avance petit à petit. Plus j'ai des gentils encouragements et tout. Et du coup, comme tu t'en doutes, c'est le plus de 25 ans qui a gagné. J'aurais déjà rage quit. Ouais, mais là, en vrai, je pense que si j'avais été tout seul, j'aurais déjà rage quit. Mais comme on est en train de discuter ensemble et tout, et que je passe une très bonne soirée, bah j'avoue que... M'en fous. Mais ça, j'avoue que ces petits cons, là... Alors... Bah non, du coup. Ah, faut donner deux coups! Flûte. Passe une très bonne soirée parce que tu gagnes de la moula. Bah, ça aide toujours, hein. D'ailleurs, si vous avez vraiment envie que je passe une excellente soirée... Alors, tu sais, quand il n'y a qu'un sub, c'est pas tellement le fait de gagner de l'argent qui me fait plaisir. C'est surtout le fait de me dire que ça intéresse des gens. Ça intéresse au point que vous faites des subs, et ça, j'avoue que ça fait plaisir. Alors. Hop. La suite. Enfin, je pense que la suite est évidente.
Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais il s'est passé quoi? Putain, mais j'avais enfin réussi! Oh, vous faites chier, quoi! Fait chier. What? Ah, mais ça me... Ouais, c'est pas grave, speedrun. Speedrun, slow run. Slow speedrun. Putain. Speedrun. Belle interprétation, merci. Je me suis dit qu'il fallait que je te rende fier. Aïe. Mais c'est pas super sympa. Il s'est pas tapé en l'air, le chat. Bon, allez, on se concentre. Je suis con, je suis centré, tout va bien. Merci du coup, Axel, pour les clips. J'aurai enfin des clips, maintenant. Enfin, plus que les trois clips qui existaient. Putain, il m'a aidé dans mon speedrun. Bonjour monsieur Boop, comment vas-tu? Si je te donne de l'argent, est-ce que tu seras plus sympa avec moi sur la live? Non. Je suis pas quelqu'un de sympa, moi. Pourquoi tu me boop? Attendez, j'ai un monsieur Boop. Que t'arrive-t-il, monsieur Boop? Je me désabonne. C'est pas très sympa, ça. ASMR petit chien. Allez, tu nous fais de l'ASMR? De l'ASMR bébé chien? Vous osez jeter des tomates sur ce pauvre petit toutou? Vous êtes des monstres. Voilà. Intouchable. On ne jette pas de tomates sur le petit chien. Non, esquive. Esquive, bébé chien, il te jette des tomates. C'est bon, tu es esquivé. Bravo. Tu peux revenir. Ouah.
Comment se passe ta vie de petit chien? C'est compliqué ce soir? Tu veux une croquette? Voilà. Je l'utilise pour gagner de l'argent, j'avoue. Dès que le petit chien arrive, vous devez sub. C'est une nouvelle condition pour être sur cette chaîne. Les deux plus beaux réunis? Bah, je sais que Gandalf a pris du poids, mais de là à dire qu'ils sont deux, Clem... Pas très sympa, hein. C'est toi l'autre du neuf. Ah, moi je compte pour deux. Mais et bébé chien alors? Va te faire niaar. Je vais aller me faire Nia, c'est promis. Oui. C'est bon, maintenant on maîtrise. Ah, il est trop cool le Pikachu. Alors, ça, j'avais fait autant de trucs. Vous vous rappelez pas qu'on avait autant avancé? ASMR petit chien. Ça, c'est un clip qui vaut le coup, ça. Bah, ça va vite ce jeu, t'as vu ça? On se moque, on se moque. Si je reprends un coup, je suis mort et je serai tout. Ce sera un ASMR gros chat. On veut l'ASMR gros chat. D'ailleurs, ça s'est réglé comment cette histoire de lit? T'as accepté que c'était le sien finalement ou pas? Ok, c'était peut-être un peu ambitieux. Il s'est levé pour aller manger. Et du coup, tu as volé sa place. Tellement fourbe. Tu es locataire chez ton chat. Tout le monde est locataire chez son chat. Ok, c'est bon. On est enfin revenu là. Bon, par contre, si ça rebug une autre fois... Je promets pas.
Même quand tu n'as pas de chat, c'est ça. Tu es locataire chez le chat de quelqu'un. Tu pourrais très bien décider un jour de venir. Mince, j'ai raté. Mais fous-moi la paix. Mais putain, mais c'est du harcèlement à ce niveau-là. Ça perd l'hippopette. Ça a failli me refaire le même bug. Non, je mets plus des gens modo sur TikTok parce que à chaque fois que les gens me demandent d'être modo TikTok, ensuite ils y vont plus. Donc j'avoue que j'ai arrêté. Oh, ça alors, regardez une rune. Je crois que je peux l'atteindre. Vous avez appris un nouveau pouvoir. Ah, je me rappelle enfin comment ça marche. En fait, je peux rouler depuis le début. Ok. C'est quoi ce truc vert? C'est quoi ce truc vert qui brille? Je crois que ça veut dire qu'on peut le casser avec de la magie verte. Encore des trucs de couleur pour nous dire qui doit l'utiliser, très bien. Ok. Et Sbim. Ah. Tiens, plus de vilain. Puis dans tous les cas, Jojo, en ce moment, je stream plus du tout sur TikTok, donc ça servirait pas à grand chose. La vitesse de la boule, t'as vu ça? On croirait peut-être que le jeu va à vitesse normale.
J'ai enfin arrêté de le passer en vitesse 0,2. Non, mais c'est pas vrai. Sonic a de la concurrence. Oh, un autre collectable, j'ai trop envie de tous les ramasser. Spoiler alert, non. Ouais, un nouveau pouvoir d'eau. Hey, cette fois-ci, c'est moi qui ai le droit à un pouvoir, c'est merveilleux. Et après, le pouvoir du geyser. Ah non, il peut se dédoubler. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça n'a pas l'air très naturel. Oh, ne t'inquiète pas, c'est... il suffit de se concentrer, ça va très bien marcher. Ah, du coup, si je fais genre... Moi, j'aimerais énormément savoir dessiner, mais j'avoue que je sais pas faire. Mais oui, par contre, Noah dessine très très bien aussi. Bah, tu peux voir sur TikTok, elle a posté aussi des trucs, c'est très cool. C'est un roguelike? Non, c'est pas un roguelike, c'est vraiment un platformer. Roguelike, en gros, Clem, pour t'expliquer les règles, c'est que t'as différents niveaux et tu remontes dans le temps à chaque fois. En gros, à chaque fois que tu perds, tu recommences depuis le tout début sur un roguelike. Bah, de rien, Noah. C'est vrai que tu dessines bien. C'est ça, Hades, Isaac, y a pas mal de trucs. Oh, un boss. Bim. Ok. Bon, il est très simple. Enfin, très simpliste. Mais c'est pas cool, ça. J'ai pris tellement cher. Les musiques, c'est... Faut savoir s'ambiancer tout seul, quoi. Les textures qui passent à travers et tout. Non, mais j'irai voir si c'est pas un projet étudiant, effectivement. Ah bon. Bah, c'est pour ça, je me dis, si c'est un projet étudiant, par contre, il y a quand même, de bien belles idées et tout ça. Une fois que c'est pas un jeu étudiant qui nous propose juste de suivre une histoire en marchant. Non, vraiment, pour l'instant, le plus gros défaut du jeu, c'est son rythme et son visuel, quoi. Parce qu'il est pas beau.
pourrait être beau, dans le sens où je trouve que les chara-designs sont cool, mais ça manque de travail. J'y arriverai pas du premier coup. Mais là, par exemple, tu vois, le fait que tu doives utiliser vraiment tous les persos pour le boss, je trouve que c'est cool, quoi. Alors là, par contre... C'est un peu compliqué. Ah oui, non mais c'est pour ça, hein. Par contre, il y a des... Il y a des trucs qui vont pas trop, quoi. Attends. Mais non, mais il est buggé. Et puis il y a des petits bugs. Accessoirement. Trop facile! Bravo! Merci, merci. C'est quoi ce talent? Non mais c'est le talent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Clem? Là, c'est mérité, quoi. Il semblerait qu'on ait trouvé le premier cristal après ce combat rudement mené. Oh là là, par mes plumes, il est vraiment merveilleux. Mais attendez, si on a mis un cristal sur un piédestal, ça veut dire qu'il en faut trois autres? Oui, j'imagine qu'il va en falloir trois autres. Trouvons la prochaine porte et vite, avançons. Oh, regardez! Encore des piédestals! Mais il y en a encore trois autres. Oui, trouvons les autres. Non mais sérieusement, vous avez autant de choses à vous dire? Allez, go ici. Tu lis super vite? Ouais, mais je suis trop fort. Oh, comme c'est curieux. Il semblerait que par ici, l'essence de l'air et du feu soit prioritaire. Ah là là, c'est très prétentieux. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Je tousse. En fait, tu as très mal lu. C'est nous qui sommes affaiblis par ici. Eh ben, couvrez-vous la bouche et arrêtez de m'emmerder. Très bien. Et du coup, est-ce que j'ai gardé son pouvoir de Hyrule? Oui. Et suffit. Tu devrais mettre une récompense qui t'oblige à lire les dialogues. Bah, de base, je les lis, mais pas quand ils sont en anglais. Quand ils sont en anglais, j'avoue que des fois, j'ai la flemme. Mais en général, je lis tout et je rajoute même des dialogues. Je vais dodo, bon live. Et bah bon dodo. Mais genre il est pas monté là.
Encore ? Mais il me snipe. Mais dynamique. Enfin Jojo, arrête de réagir comme ça quand je rate un de tes messages. Malheureusement, je suis également en train de jouer, il y a des messages, je les vois pas forcément. Bah, tu rigoles, mais tu fais souvent la remarque, en fait. Souvent la remarque de pourquoi vous rigolez pas à mes blagues, pourquoi t'as pas lu mon message, ou ce genre de choses. Bah, parce que des fois, je les rate, et des fois, il y a des blagues qui font pas rire tout le monde. Il peut y avoir plein de raisons. Ah ouais putain, je l'avais même pas vu. Et remini Clem. J'espère que ça va un peu mieux. Putain, ça m'a renvoyé tellement en arrière. Ça c'est pas juste. Tu penses que ça va aller quand même pour ce soir ? Sinon, n'hésite pas à aller te reposer. Hein. Elle est anxieuse, surtout. Tu es malade, c'est interdit. J'avoue, c'est interdit d'être malade. Allez, plus malade, Clem. C'est interdit. Si Elohim dit que c'est interdit, moi je peux plus rien dire. Tout est interdit, voilà. Je prends la relève si tu veux. Non. C'est moi la capitaine. Elle est irremplaçable. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais quel jeu de con. Mais ouais, mais eux, ils me snipent là. Vas-y, arrête. Arrête le jeu. Qu'est-ce que t'entends par là, Jojo ? Bah ouais, mais ça va être un time-out jusqu'à demain, surtout.
Déjà pendant 10 minutes, tu réfléchis un peu et puis ensuite on en rediscute. Hop là. Alors. Oh, est-ce que les enfants arrivaient à la fin? J'en ai bien peur, madame. Il n'y a plus rien devant, mais on peut peut-être passer par en dessous. Bah franchement, sans plus pour le jeu. Je suis pas convaincu, quoi. C'est dans ces moments que je me dis que si j'étais modo, j'avais le ban facile. Bah, en fait, le problème, c'est que... Et c'est souvent le problème avec les jeunes, c'est pour ça que pour l'instant, je time out et on verra dans 10 minutes. Et c'est qu'il y a aussi l'humour, tu vois. Le problème, c'est que par écrit, l'humour, c'est pas forcément la même chose. Parce que Jojo, on a pas mal joué avec lui aussi sur Fortnite, où il y avait l'humour un peu facile et tout. Mais autant l'ironie, tu peux la sentir à l'écrit, autant à l'oral, c'est pas la même chose. Enfin... L'inverse, à l'oral, tu peux le sentir, à l'écrit, c'est pas la même chose. Et là, dire à la modo, va te reposer, comme ça je te vois plus, si derrière je leur demande quelle était la justification et que tu me dis que c'était juste ça, sans préciser, mais c'était pour la blague ou quoi que ce soit, oui, ça dégage, quoi. Surtout qu'encore une fois, ça faisait 3 fois que je faisais la remarque qu'il y avait certaines blagues qui pouvaient être un peu lourdingues et que là, c'est sale de trou. Surtout que je l'ai toujours dit, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en cogne. Mais par contre, la modératrice est intouchable. Et ça, il y a un jour, il faudra peut-être le comprendre. Ah, il devient enfin... Ah ouais, les élèves, ça doit être un peu particulier, ouais. Mais Clem, elle est plus que gentille, elle est adorable. Il faut vraiment le bon timing. Ou alors tirer en l'air. Mais au moins, ça répond à la question de pourquoi tu ne peux pas être modérateur sur TikTok. Si jamais. Non, je tire pas partout. C'est faux. Tiens, espèce de vilain. Par contre, ça me renvoie en arrière. Fais gaffe. Après, le jeu a quand même pas mal de bonnes idées. Hein. Je maintiens que... Il y a des choses.
Non, non, c'est le jeu fini. Hein. Mais je pense que ça doit être un premier jeu ou un truc du genre. Quoi. Bah après, ils peuvent pas forcément avoir beaucoup plus de temps, tu vois. Non, je pense que là, c'est juste une question de dire, bon, bah voilà un peu les idées qu'on a, maintenant, laissez-nous un peu plus de... Ils ont 3 jeux en tout sur Steam? Ah. Est-ce que tu peux me dire le nom des deux des autres? Savoir si c'est pas eux qu'on fait effectivement l'autre jeu un peu moche qu'on avait fait. Parce que je trouve que ça y ressemble quand même pas mal, hein. Il y en a un, c'est une démo. Ok. Pop Soma et l'autre? Ah bah, pas du tout, alors. Bah, ils sont tout jeunes, mais si c'est leur deuxième jeu, c'est quand même un peu moins excusable. Bon, après, c'est un peu le problème de tout. Hein. Tu vois, moi, mon dernier court-métrage, il est bourré de défauts, et pourtant, c'est pas mon premier, parce que j'en ai déjà fait quand j'étais étudiant. Bon, j'avais toujours pas de budget ou quoi que ce soit, mais tu vois, il suffit que ce soit le même souci. Tant que t'as pas vraiment la possibilité un jour d'avoir des bonnes conditions, malheureusement, c'est toujours un peu ça, quoi. Oui, ils avaient fait un Kickstarter pour celui-là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je sens la chaleur entrer en moi. C'est donc ça, tomber amoureux? C'est ça. Malheureusement, on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est pour ça, des fois, j'aimerais bien avoir l'occasion de leur parler pour savoir un peu les contraintes qu'il y a eu. Yes, oui, vaillante. Exactement. Ouais, 5K pour faire un jeu, c'est pas énorme. Je veux dire, il suffit qu'ils sont 3 et ça leur laisse un mois de SMIC seulement, quoi. J'ai lu Vilaine, c'était drôle. Yes, oui, Vilaine. J'avoue, c'est pas mal aussi. J'ai lu la même chose. Oui, aussi. Alors par contre, ça dépend comment tu dis Vilaine. Il y a des trucs sur lesquels je serais peut-être pas d'accord. Ne se dit pas moche sur ce stream. Seul le streamer a le droit. Pourquoi? Parce que c'est une dictature. Non, il n'a pas le droit. Si. Ça a été décrété par moi, à l'instant. Non, mais vilaine, genre coquine, mais pas de manière tordue. Tu fais bien de préciser. Ça fait vraiment genre manière coquine. Enfin, quand je dis coquine, enfin... Oh, enfin merde. Tu as trop tendance à faire passer des lois comme ça? Bah c'est un peu le principe d'une dictature, oui. Comment je suis censé passer ça? Ah bah comme ça.
En douille. Mais je veux descendre. J'ai flûte, hein. Et coucou Gabin, comment vas-tu? Mais non, mais j'avais sauté. Hop là. Oula. Ok. Non. Je me suis trompé. Aïe. Ok. Par contre, être obligé de tout refaire dans l'autre sens, je m'en serais peut-être passé. Non, mais quel débilos. Est-ce que je suis pas foutu de retenir deux touches ? Et oui, j'ai bien dit foutenu. C'est un peu comme soutenu, mais en très mal dit. AFK A+. Merci d'être passé. Mais chiche de vraiment faire mon petit déco. Mon petit dico. Exactement ce que je voulais faire. Je me brosse juste les dents. Ah, bah toute. Je croyais que tu disais AFK dans le sens où
Tu restais là, mais t'allais faire autre chose. Bon, en soi, c'est le cas, mais dans le sens faire autre chose plus longtemps. Je préviens là, dans ces cas-là, je préviens pas parce que je suis mal poli. Quand tu es une femelle polie. Ou alors tu m'avais pas dit. D'ailleurs, un mal poli, techniquement, c'est un peu l'inverse d'un gros beauf. En théorie. Oh, tu as trouvé un coffre. Bon, bah c'est parti pour le deuxième boss. Est-ce qu'il va encore bugger cette fois-ci? Enfin, je veux dire, l'autre, on l'a battu à la loyale, mais est-ce que celui-ci va bugger? Ah, je suis content qu'il plaise, ce coffre. Alors. Ça manque d'un truc pour se soigner au départ. Ah. Ok. Et coucou Créa Zèbre, comment tu vas? Et bon bouquinage. Putain, on a dit la même chose, Clem. En plus, tu es tombé sur un coffre de Clem. On y est presque, les coffres arrivent début septembre. Attendez encore un petit peu. Et voilà. Clem me suit. Dans la rue, tu veux dire? Étrange ça, Clem. Ah, maintenant ça commence à bouger et tout. Oh merde. Ok. Oh putain, l'attaque qui fait giga trop mal. C'est un truc avec une photo par jour. C'est ça. Le principe, c'est tu poses une question. Enfin, une fois par jour, tu reçois une notification et il faut poster une photo. D'ailleurs, Halloween, faudrait que tu sois dessus.
Et de 6, toujours plus. Ou lycée, école. Clem, c'est pas bien de troller les gens. Eh oui, et Clem, elle m'avait rencontré, j'avais les cheveux rouges. Enfin, ce qu'il en restait. J'ai pas suivi l'histoire de photo, je chasse un potentiel moustique. On parlait de l'application Biril. Et je disais qu'il fallait que tu l'installes. En fait, faut que vous l'installiez tous. Comme ça, on s'envoie tous des photos moches une fois par jour. Bah, file bien. Des photos moches? Oui, parce qu'en gros, une fois par jour, tu reçois une notification et il faut que tu prennes une photo sur l'instant. Donc ça peut être de toi, ça peut être de ce que tu fais, ça peut être de ton chien. Moi, c'est toujours mon chien. Il y a tête au réveil, là. Bah, ça dépend de l'heure à laquelle c'est posté, quoi. Voilà, le deuxième coup, il était un peu injuste. Yes, il y a un soin. Oh, pas juste. Mais pas juste. Attendez, hein, je vous lis après. C'est marrant. Ah, tu vois? Bah écoute, si tu l'installes, tu me dis. Bah si quiconque ici l'installe, n'hésitez pas. Ajoutez-moi et puis ça peut être fun. Tu peux... C'est vrai que tu pourrais. Mais quel débilose, je me suis fait mal tout seul. Putain. Aïe, aïe, aïe. Non mais je sais tout ça. Le jeu qui me prend pour un débile. Pas prendre de risques. Ah mince, je pensais que ça passait. Désolé, hein, je suis un peu concentré, le combat est pas forcément si simple, ça c'est un peu illégal.
Enfin, des fois, j'arrive à faire des trucs stylés. Hein. Des fois beaucoup moins. Mais non, mais arrête d'être nul. Bah, c'est quoi qui m'a tué? Oh la vache. Bah, je sais pas si le perso de glace il ferait plus mal. Parce qu'il faut charger son attaque. Et du coup, c'est plus lent. Non, je pense que c'est lui qui fait le plus mal, mais c'est juste que c'est long, quoi. Tu penses que j'aurai le sub? Bah, franchement, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que personne tombe jamais dessus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais refaire un truc. C'est que j'ai l'impression que l'aléatoire ici marche pas des masses. Il y en a que vous avez déjà vu plein de fois, il y en a que vous avez jamais vu. Pas juste ça. Mais j'avais appuyé. Pas juste ça. Il veut pas rebugger comme l'autre, le monstre. Mais fichtre. Oh, je me suis pris 3 coups là. Les bugs, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Oh la vache. Il faut vraiment que j'aille au plus éloigné à chaque fois. Mais...
Bah. Ça va, je te dérange pas? Ah, sur le premier combat, j'étais tombé sur du soin des fois, et là, plus du tout. Hein. Je vais finalement essayer ta technique, Clem. En plus, je pense que ta technique, elle est cool, parce qu'on dirait qu'il fait des petits points. Regarde, petit point, petit point, petit point. Petit point, petit point, petit point. Petit point, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point. J'avoue, ça fait un peu les larmes d'Isaac. Aïe. Ok. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas bête. Essayons avec lui. En plus, c'était un succès. Ah oui, parce que Halloween, on parlait de dessin, mais c'est vrai que toi aussi, tu pourrais en parler un peu. Qu'est-ce qui m'a tapé là? Je vois un coupable. Je m'occupe de mes plantes. Et je regarde mes plantes. Est-ce que t'as un Instagram avec tes plantes? Tu pourrais avoir un Instagram qui s'appellerait Reste pas planté là. Et qui explique comment, comment prendre soin de ses plantes. Ouais, on s'améliore, hein. Mais c'est vrai qu'Instagram, je suis pas très fan non plus. Ah.
C'est parce qu'on est vieux. Bah pour le coup, c'est plus Instagram qui devient vieux. Hein. Il y a combien de chances pour le sub ? 1 sur 500. Enfin, 2 sur 500. Donc, 1 sur 250. Juste. Aïe. Je pense que tout le monde est jaloux, Halloween. Je dois partir. Bonne soirée. Merci d'être passé. Ça aussi, si c'est de l'air pollué ou de l'air pur, bah tout dépend où tu te trouves, je pense. Mais je pense que c'est pollué. Ils ont trop de vie, les boss. J'ai pu revenir, eh bien, re. Ah,
T'aimes pas les moustiques? Pourtant, les moustiques sont les amis des grands et des petits. Comme le dit la célèbre chanson que je viens d'inventer. Aïe! C'est giga cruel. Mais pourquoi? Ça avait déjà explosé à l'endroit où j'étais. Et ça fait bim bam. Non! Elle aussi, elle aurait sacrifié Mosquitos. Oh, j'avoue. Ah ah! Je vois que quelqu'un s'impatiente! Les coffres arrivent début septembre! Vas-y, tire tes bouboules. Peignasse. Enfin, forcément, j'ai de la vie, mais c'est au moment où j'ai toute ma vie et que ça me sert à rien. Et 4 fois, ok. Mais ça, pareil, ça lui fait pas très mal. Pour une attaque un peu bonus, je trouve que c'est pas oufissime non plus. Bon, après là normalement c'est bon je pense. Si je fais pas trop nimp. Je suis content, ça veut dire que je l'aurais battu avec petit point. Nice. Nous avons vaincu le phénix. Mais toi, trop forte. C'est grâce à petit point qu'on a gagné, Clem.
Bon. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce jeu? Parce qu'en vrai, il est pas dinguissime. Et j'ai respecté ma part du marché, j'y ai joué. Si. On est d'accord. Bah écoutez, je fais une micro-pause pour ce qui est de la VOD, des bisous. Et à la prochaine. Salut, salut.